La police, ils nous ont montré que c'était un gros con, moi. Les gars, honnêtement, je pense pas que je vais appeler les keufs. Il nous a montré que c'était un gros con. En fait, ok, rappelons-nous du policier. Il arrive, ok, il pique la meuf et il tire. On sait pas quoi, tu vois? Intrigué. Est-ce que il faut être spécifique? Déterminé, appelle la police. J'ai un peu peur de. J'ai un peu peur du keuf, mais ça se trouve justement, ils font genre qu'il est mauvais alors qu'il est cool. En soi, dans une situation réelle, t'appelles les keufs quoi qu'il arrive. Il t'a dit de pas venir ici, le keuf. Ouais, mais ça se trouve, le motel c'était pire, non? Vas-y, j'appelle la police. Les flics? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel. Et je leur réponds, au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, Oh mais merde. c'est un animal avec des dents. Et on ne sait pas combien il y en a en ce moment ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renforts. Ouais, un truc du style. Ok. Oh mec, j'ai pas eu un deuxième choix! Police de North Kill. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. Quoi? Quoi, Ryan? Tu n'as vraiment pas raccroché? T'as peut-être raccroché? Comment j'aurais pu raccrocher? J'en sais rien, t'as appuyé avec ta joue et du coup, ça a raccroché. Tu sais comment marche un téléphone? Bah ouais, heureusement. Vas-y, vas-y. Un vrai téléphone, Allez, pas un Dylan, prends le portable. téléphone, Dylan. Et toi, tu sais comment ça marche? Nickel. Ok, bon, tu l'as pété. Mais non! Bon, alors ce téléphone marche pas. Mais attends, Personne mais au j'ai entendu, capte, j'ai un police, je sais autre pas quoi téléphone là. fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, Oh il y a des vieux merde. appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. Mais t'es sérieux, toi, quoi? Avec toi, tu meurs. Non, lui, il meurt. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. Ouais, jamais, jamais être agressif quand t'as une arme dans les mains. Eh, hey, les gars, la règle numéro un, hey. Bah. Tire-lui dessus maintenant! Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan? Ben, peut-être que c'est les ours. Non, c'est le Tu peux vieux. savoir pourquoi on accuse toujours les ours? C'est le vieux ou Imaginons c'est juste John une minute. Cena? Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais. Ah, les allons-y. deux qui ont les armes, ils vont là-bas? Ils dégoûtent. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Ah là là là. Putain, il vient d'avoir son arme, il est trop saucé et il va devoir la donner. Le gars, il s'est pris pour un membre de SWAT là. Est-ce qu'elle en a besoin? Ah ouais, elle en a besoin parce que l'autre il va se transformer en. Mais vas-y, pourquoi moi je donnerais mon arme? Donne-lui ton arme. Attends, ça se trouve l'arme elle marche pas. Vas-y. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin?
Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand ? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. Le problème de Dylan, c'est qu'il a peur, ça se voit. Mec ! Je vais lui donner, parce que comme ça, je vais faciliter les trucs. Après, ça se trouve, l'autre, il va pas se transformer en loup-garou. Et je vais lui tirer dessus, parce que j'aurai l'option. Et tu sais quoi ? Nique sa mère. Ah, d'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention. J'avais peut-être pas du. Ah, je sais pas, putain! J'arrive au mauvais moment? Toi, t'es gigabête, toi. T'arrives encore à rigoler. Hein? Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Ah, donc on a gardé cette arme. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Mais prends un couteau dans la cuisine au moins, bouffon. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, frérot. Oh, bon, les gars, j'ai tué. Vous revoilà, je suis ravi. J'ai tué Emma, je suis désolé. Ah, voyons ça, alors. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Très bien, mémé. Merci, mémé. Le magicien. Ah, c'est moi. L'incroyable, l'invraisemblable, le mystique, le sensationnel. Ah, je sais. La manipulation perceptive. Non, c'est pas moi. L'œuvre ça. D'un magicien, vous claque le voyez, et puis plus. Il y a des tours de magie, claque les brèves. Merci, gars. Merci pour le sub. Merci. Ne vous trompez pas. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? Prenez-en une. Faites le bon choix. Attends! Je veux en voir qu'une seule! Oh merde! Donc là, en gros, il s'est fait sûrement croquer la main. À nouveau, nous nous disons au revoir. Mais non, mes je vois l'autre, conseils, connasse. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Vas-y, attends, bouge pas. Attends, je contrôle la mamie, là, ou quoi? Donc, je lui coupe la main avec la tronçonneuse. Probablement pour pas être... pour pas devenir un loup-garou. Putain, le chapitre, il est passé méga vite, les gars. Chapitre 4, il est passé en 10 minutes, je l'ai passé. J'ai tué le perso, boum. 10 minutes, ça s'est passé. Oh putain, il va se transformer, lui. Coucou. J'ai rien pu te trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. Merde, je sais même pas ce qui s'est passé. Tout était flou.
comment tu te sens? Bon, je contrôle qui là? Je contrôle le mort. Tu as fui. Tu t'es enfui. Quoi? Il m'a sauté dessus. Et tu t'es enfui. Tu m'as laissé tomber. Nick, je savais pas. Je savais pas quoi faire. J'ai pensé que... Tu préférais sauver ta peau, c'est ça? Vous mettez Abby mal à l'aise. Je sais, frérot. Je mets toutes les meufs mal à l'aise. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Oh! Parle pas! Ils sont cons, quoi! Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. Non, mais toi... Non, c'est dangereux. On sait pas ce qu'il y a dehors. Je regarde juste qui sait contrôler les gars. C'est pour ça que je vais aller voir. Mais t'es trop bête. Mais ils sont trop bêtes, je te jure. Ah, vas-y, ils sont trop bêtes, vas-y, ça me casse les couilles. Genre vraiment, ils sont trop bêtes. Je vais la buter, elle, maintenant. Non. Ouais, ouais, je vais la buter, les gars. Je veux pas la buter, elle. Hein. Oh, le jouet. Bah oui. Bah oui. Range l'arme. Quand il y a du danger, range ton arme. Yes, putain, John Cena. Il vient à la rescousse, putain. Let's go. Ah, yes, putain. Je me sens tout de suite mieux, là. J'aurais dû peut-être intentionnellement me montrer. Attends, il a une tronçonneuse ou quoi? J'aurais peut-être dû intentionnellement me montrer. J'ai mal joué, là. Je pense que j'ai mal joué, les gars. J'aurais dû me montrer, je pense. Ça, c'est le genre de QTE qu'il fallait perdre. Après, ça se trouve, il y a un coup de réflexe et il me quickscope. Quand il s'y trouvera, saigne-les. Et tiens-moi informé, Bobby. Bobby? Je le prends pas. Je sais pas, j'aurais peut-être dû la prendre, ça. Oh merde. Mais t'es sérieux? Mais Aveugleman? Hein? Mais y'a aucun sens! J'ai envie de me faire voir, là. Je suis trop con.
Je suis trop con, sa mère. Je suis trop con. Je savais qu'il fallait attendre. Mais il va me frapper. Oh, merde. Écoute, c'est peut-être pas le moment idéal, je sais, mais je... Mais pourquoi il m'a pris mon arme, là? Quoi? Putain, elle... Eh ben, c'est juste que... Je savais que j'aurais dû pas relâcher. Je pensais, au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolée, Nick, qu'est-ce que tu disais? Aïe, aïe, aïe. Hé, hey, t'en fais pas pour Kathleen, elle est solide. Je sais. J'ai la tête ailleurs. Le mec qui parle, hein? Essayons. T'as dit quoi? De passer la nuit, ok? Ils sont tous trop cons. T'es dur à cerner. Quoi? Tu m'écoutes même pas, hein? Non, non, je... Eh ben. Ouais. Yes! Je suis si ennuyeux que ça. Cringifila, là! Oh, mais non! Cringifila! Je suis blessée, je veux juste m'assurer qu'on craint rien, ok? Je les déteste tous, frérot. Je les déteste tous! Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen? Bah va voir! Faut qu'on se cache, faut qu'on se cache! C'est bon, ça va aller. Oh là 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 là. Mais parle! Oh mon dieu! Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire! Non, faut qu'on se cache! Ok, attends. Si je cours, je hint. Ok? Si je me cache. En vrai, vas-y, tu sais quoi? Je vais me cacher, je vais me faire découvrir exprès. Ah là! Vite! En vrai, non, je vais vraiment essayer de rester caché. On n'est pas sûr que je me transforme. On n'est pas sûr. Mais Jean-Michel... Hey. Attention, j'attends le dernier moment. Clac! Allez, c'est fini. Impossible, il me trouve. En fait, quand tu relâches, ton perso se lève et commence à courir. Je te jure. Genre là, si je lâche... Viens voir. Si je lâche là, mon perso va courir. Alors, franchement, je suis à deux doigts de me laisser cogner. T'es à moi. Ah! Elle est à moi. What the... Arrête, vas-y, j'appuie pas. Hein. Attends, j'appuie pas. Hein. Attends, il est littéralement en train de se transformer, lui, là. Ouais, il est en train de se transformer, donc il... J'appuie pas. Mais putain, comment j'arrive à mettre en PLS John Cena? Ah, parce que je suis en train de décupler mes forces. Bon, John Cena, tu me déçois. Mais frérot, y'a rien qui va! La radio dans le local radio. Je croyais que c'était juste pour faire les annonces du matin. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas techniquement, mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant. Il y avait des gamins avec leur. Allez, radio, à vous de mourir. Et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on ne soit pas distrait par la technologie. Pas mal joué, je trouve. La technologie, elle a des bons et des mauvais. Merci. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire? Allez, je rentre à la base, désolé. La colo? Non, genre le DJ, la musique, je sais pas. Oh, j'aime bien la musique, mais... Regardez bien l'escape gamer. Je crois que je veux étudier la physique quantique.
Regardez bien. Attends, sérieux. Regardez bien. Le jeu, il te fait avancer dans une direction. Ah, toi, parce que t'es un gros noob, t'avances tout droit, tu vois, dans la direction. De fan de science. Et là, le jeu est tellement un jeu de noob. C'est sûr, c'est sûr. Il te met un mur invisible. Pas ici. Et voilà, mur invisible. J'ai rien pu faire. Ils auraient pu récompenser les vrais easter egg gamers, mais bon. Ouais, comme d'hab. Lui, il fait trop le chef, mec, quand même. Hop, hop, hop. Monsieur. Lui, il fait trop le chef, lui, là. Ah, ils vont tous crever, mon chéri, je te jure. Ils vont tous pourrir, tous moisir. Et je vais pas en, je vais en défendre aucun. Tu vois, j'ai une question. Pourquoi ils ont pas pris le kart? Pourquoi ils ont pas pris le kart? Pourquoi ils ont décidé d'y aller à pied? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de petites choses comme ça qui font que... Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici? Pas ici, au... Quand? Je fais ça chez moi. Et ici... Ça fait pas de bruit, le kart. Ça fait pas de bruit, le kart. C'est électrique. Et tu fais des blagues. Je suis conducteur de ce stade. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement? Ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça me va. Ouais, viens, on s'arrête et on commence bien à parler. Dylan. Et à raconter n'importe bon, quoi. De qu'est-ce que ça veut bien dire, Dylan, ce dialecte? C'est Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien, celui-là. On ouais, sent bah, qu'il réfléchit. Hey, prends tes jambes et avance! Qu'est-ce qu'il raconte, mec? Qu'est-ce qu'il me baragouine? Bon alors, et c'est ici que je vais me faire tronçonner la main. Donc il faut, hein. Donc il faut me tronçonner la main, les gars. Mais attends, mais c'est bizarre. La fiole qu'il y avait là, ici là. C'est la même fiole que le mec a utilisée pour me vaporiser de sang. Oui. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Ah. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie vaudou? Oh mon dieu, je suis un génie. Reprends-la! Bois-le. Relou. Putain, j'ai toutes les réponses à l'histoire, déjà. Le diable. La room 10. Oh, je savais que j'aurais pas dû prendre la peluche. Parce que maintenant, j'en aurais eu besoin pour la distraction. Oh! Je le savais, les gars. Maintenant, j'aurais pu utiliser la peluche, les gars, comme distraction. Oh, fais chier, putain. T'as vu? Ouais. Ouais. Non, mais tu vas revenir le même truc. J'avais envie de voir les personnages découvrir la même chose.
actionne là. C'est bon ? T'assois toi. Ah ! Deux secondes. Ah ! Ok. Ça, c'est un cadeau du jeu, je crois. Quand le jeu fait ça, il m'a donné un cadeau. En gros, il me dit... Là, ce que je me dis, c'est... Ah, t'es sûr que t'as tout checké là ? Parce que sinon, je vais te buter. T'es ? Ah. Clic, clac, clouc. Ok. Voilà. Putain, par contre, j'ai trop de cartes maintenant là. Mais attends, mais j'ai pas l'impression que je suis au même endroit. Okay, donc j'ai la carte, tu vois. Donc c'était pour avoir cette carte, hein. Le jeu ne te le donnait pas. C'est bon. Et là, vu que j'ai plus rien à prendre, le jeu me dit, vas-y, c'est bon, tu peux y aller, feu vert. 22h39, les gars. Hein. Wow, c'est bien vraiment là. Un taudis, ce truc, hein. Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et à tout remettre en état, alors je suis désolé si... Ta gueule pas... Mais je me suis vraiment donné du... Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Et en plus, t'es fermé à clé, pourquoi c'est pas fermé à clé là ? Ces trucs pourraient nous être utiles ? Les outils là ? Non. C'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors c'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ 2 kilomètres ? Ah, c'est de la merde un peu de kilomètres. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs... Ça y est, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, les gars, cet acteur. À chaque fois, je me suis dit, mais il me rappelle un truc. Il me rappelle le mec de Star Wars. Voilà. C'est exactement lui, le mec du jeu Star Wars, là. Jedi Fallen Order, là. C'est Kal-El, là, je sais pas quoi, là. C'est exactement lui, voilà. Mais t'es ça il me rappelait un mec. J'y connais rien dans... Mais j'avais zappé. Domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu. Me donner un cours ? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape poussière. Bah, c'est censé amplifier le signal. Il a l'air un peu merdique, je sais, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc ? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, C'est Dewey dans En fait, film. Ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je sais pas. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut ! Alors, comment ça va chez vous ? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett's Quarry. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous, ce qui n'est pas très normal. Et on a des copains blessés et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît,
Venez nous aider, SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors venez vite et aidez-nous. C'était bien ou pas? Un essaim d'ours. Ouais. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'hallucine. Ok, non, bon, bah, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Ok, je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Et voilà. Ok, ouais, d'accord. Oh putain de merde. Bah ouais, vas-y, fais du bruit, vas-y. Appelle-le, vas-y. Tellement que t'es con, vas-y. Appelle-le. Appelle-le, gros con. Viens voir. J'ai reçu un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi ? Il a parlé du chalet ? Les autres moniteurs. Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Et deux autres personnes pour l'instant introuvables. Vas-y, allez, nique sa mère, je sais même pas quoi répondre. Putain, il parle de nous. Merde, c'est quoi ce délire, putain? Mais que comment? Parce qu'on vient de leur dire. Sur cette putain de radio. Merde. Ils savent où on est, putain. On peut pas rester là. Merde. Faut qu'on reste calme, ok? On va aller chercher Caitlin et les autres, d'accord? Mais attends, ce mec est complètement con. Il vient de voir un monstre à l'extérieur. C'est la première fois qu'il le voit. Il s'en bat les couilles. D'accord, ouais. D'accord, hein? D'accord. Mais quel petit fou! Mais c'est pas possible, mec! Oh merde! Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors? Il est méchant? Oh. Agressif. Fais pas chier, putain, je savais pas ce que j'avais méchant. Vu. T'es sérieux? T'as vu quelque chose? Et tu t'es pas dit qu'il fallait m'en parler? J'ai oublié. Je veux dire, on a entendu les mecs sur la radio. Ferme la porte à clé, non? Fais un truc intelligent. Ryan? Le fusil! Ah, allez-y, c'est trop con, je peux pas. C'est un ours? Le fusil! Merci! Alors, je vais avoir l'option de tirer, comme d'hab. Par contre, je vais directement viser Dylan et je vais le tirer dessus parce que c'est moi l'imposteur. Attends, les gars, j'ai jamais tiré depuis le début. Et c'est pas mon genre de tirer, mais je crois que je vais tirer. Si je tire, je fais un trou dans le plafond. Le mec peut passer, tu vois. Mais ça se trouve, je peux le one-shot. Si je tire pas, il peut faire un trou dans le plafond et atterrir sur Dylan et lui bouffer la gueule. Et c'est probablement ce qui va se passer, si je ne tire pas. Vous voyez dans quel monde on est, les gars? À chaque fois, c'est ça. Et après, on va me reprocher. Batarva! C'était quoi? C'est quoi? J'avais pas dû tirer. Eh, hey, je savais pas que mon gun tirait des balles de caoutchouc, mec! Merde! Quoi? Caitlin, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Ah! Oh merde! Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut? Ouais, ok. Ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Mais qui? Ah!
Oh, merde, non. Putain. Tiens le bouton. Kathleen, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio, rentrez. Je allez dans un cabanon, allez. Oh merde, putain. Ils sont partis. Ouais, j'ai peut-être bien joué de tirer les gars, hein. Vas-y, je vais tirer à vue alors. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, Je vais tirer à vue, mon bébé. J'ai peut-être bien fait de tirer, frérot. Tu mens. Et maintenant ? Y'a pas un monde où je m'en sors. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. C'est pas un animal comme les autres. Je crois pas qu'un fusil va suffire. Bah prends la clé à molette. Ah, merde. Et t'as une meilleure idée ? Si cette bestiole entend comme un chien, eh ben on pourrait passer un son de l'arsène super aigu dans la sono et mettre le son à fond et ça nous défoncera les oreilles. Mais le génie. Ok, on fait ça, le truc du l'arsène. Vas-y. T'es un génie en fait, toi. Ok, allez Dylan, c'est parti. Allez. Calme, souffle un peu, pressant plus vite. Eh. Sinon je fais rien, regardez bien. Regardez bien le maître d'œuvre. Je trouve que cette ligne rouge descend trop lentement. Du coup, on ne va rien faire. Parce que mesdames et messieurs, ça, c'est littéralement la démonstration de ce que c'est la patience. Et la patience, mesdames et messieurs, est le fruit de toutes les vertus. Et c'est pour ça que je vais vous le prouver encore une fois. Il n'y aurait jamais eu cette barre. Pourquoi il y a la barre ? Pourquoi il y a la barre ? Et pourquoi elle est si longue ? Posez-vous la question, les gars. Soyez intellectuellement supérieurs, comme moi. Comme moi. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Oh, merde. Il a arraché le fil. Mets-le, je te couvre. Maintenant, vite, vas-y. Ah, c'est pour ça qu'il va me couper la main. Qu'est-ce que serait changé que je lui dise de se manier le cul ? Dites-moi les gars. Tu veux que je te fasse quoi ? Arrête ça ! Oh merde ! Ça se propage ! Tu coupes ! Coupe-le ! Coupe-le ! Ok, tiens bon. Impossible. Ah, il y a la barre rouge ! Honnêtement, mec. Le truc me dit de la couper. Le truc me dit de couper, les gars. Et sur l'image, il y a un magicien qui coupe. Merde ! Merde ! Ok, je... Tiens bon. Ah, merde. La tronçonneuse du coup, parce que...
coupé au fusil à pompe, frérot. Je sais pas si c'est vraiment là. T'es sûr de toi? Oui, vas-y, putain, faut que je le fasse, fais-le. Et là, le monstre, il s'en bat les couilles. Le fil, chope le fil, chope le fil. Quoi? Chope le fil. Le truc, chope le. Ok, branche-le dans le truc. Appuie fort. Je fais quoi? Le bouton. Il sourit. On a pété le haut-parleur. Il sourit. Ça a marché. Bravo, Dylan. Ok, merde, maman. Ok, mortel. Accroche-toi. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as dit de le faire. Oh putain, c'était une idée de merde. Putain. Mec, tu te fais couper ta main à la tronçonneuse. T'es. On peut sortir. Pas en PLS. Ouais, on va la rassurer, les gars. T'inquiète, j'ai juste coupé la main de mon pote. T'inquiète pas. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ces chasseurs. Ah, Giga Chad. On s'est enfui. Giga Chad, c'est bon pour l'instant. On l'a semé en venant ici. Le message est parti. Ouais, je crois. Super. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bordel, Dylan! Il s'est passé quoi? Oh, je vais bien, enfin... pas vraiment. Mais ça fait plus mal. En état de choc. Putain, c'est pas vrai! C'est cette chose qui a fait ça? Non. Enfin, si on veut, il... Kathleen, il est où ton fusil? Je l'ai perdu. Un des gars du coin est passé nous voir. Putain, quoi? Elle nous a tiré dessus? Enfin, Rambo qui arrive! Il est là! Allez, va la rejoindre, là, putain. C'était qui? Est-ce qu'on la suit? Ouais, vas-y, go. Et merde, c'est quoi ça? What the fuck? Ah, ils ont tué le loup-garou, et le loup-garou se détransforme. Ok, et redevient l'enfant que c'était avant. Allez hop, c'est bon. Bravo à tous, on a fini le jeu. J'ai déjà fini le jeu, les gars. Oh là 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 là. Attends, j'ai fini le jeu là. Attends, si j'ai fini le jeu là, c'est la honte. Hein. Impossible. J'ai pas pu tuer juste une personne, c'est pas normal. C'est pas mon genre de gameplay ça. On a fini le jeu, on connaît toute l'histoire. Oh, mamie. Oh, c'est vous. Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. Donne-moi-en le une. Diable. Sans restriction, telle une ombre arrachée à notre vulgaire enveloppe charnelle. Observez bien et agissez avant que le démon soit libéré. Chacun de nous en abrite un. Même ceux dont le cœur est pur et qui récitent bien sagement leurs prières le soir venu. Ok, et l'autre c'est quoi?
J'ai rien d'autre ? Ah, oh, fais chier l'ermite. Nous avons là l'ermite. Avec l'ermite vient l'isolement, la solitude, mais la réflexion aussi. Peut-être qu'en analysant les faits, l'ermite qui poursuit réussira à vous mettre à l'abri. Je vais prendre l'ermite. Mais tout dépendra de vos actions, pas des siennes. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? Deux futurs à découvrir. Mais seul l'un des deux peut être vu. Faites votre choix. L'ermite, elle a dit des trucs plus sympas dessus, voilà. Ouais, parce que lui il est solo, et là il s'est pris un bear trap. Oh putain, c'est le flic. On a un nouveau... Nous passons tellement... On a un nouveau player, les gars. Pourquoi sa tête est dans le trap? Attends, mais non, c'est le vieux? Non, attends. Il me prend le piège, et après ma tête finit dans le piège. What the fuck? Mec, ça veut rien dire, frérot! Donc faut juste pas que je me prenne le piège, parce que sinon je vais me prendre un piège dans la tête! Qu'est-ce que ça veut dire? En de temps à attendre le futur, que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. À tous les coups, ce truc me sert à rien. Vraiment, à tous les coups, cet indice ne me sert à rien, les gars. Machin, il prend le bear trap. Ensuite, il y a le monsieur qui arrive. Il lui tire dessus. En gros, il fuit une situation. Peut-être que, du coup, au lieu de choisir de courir, j'aurais peut-être me cacher. Genre, j'espère que suivre le chemin ou marcher dans la forêt, peut-être, tu sais. Ce sera mieux de marcher dans la forêt. Nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Faut être prudent. Sans déconner! Non mais, perspicace toi! 22h30, mais putain, mais. J'ai l'impression que ça fait depuis le début du jeu qu'il est 22h30. Emma! Putain, c'est pas vrai. Ah merde! Ah, merde. Oh non, pas elle. Merde! Putain, c'est pas vrai. Jacques. Par contre, j'ai le sang sur la figure, donc je pense que je peux me cacher. Le mec qui m'a immunisé au, Emma, au loup-garou, je pense. Donc je vais sauver Jacob, je pense. Il est mort. Donc attends, c'est peut-être moi qui marche dessus. C'est peut-être pas une cinématique qui marche dessus, c'est peut-être moi. Et si c'est moi qui marche dessus, là c'est autre chose. Oh, faut mieux pas tomber. Saute. Hein ? Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Quoi ? Un mec qui marche avec des chaussures, c'est mauvais signe ? Je comprends pas. Généralement, on regarde l'écran, hein, mon frérot. Y a peut-être un truc là-dessus.
Putain, il faut pas que je le tue, lui, hein. Faut pas que je le tue, les gars. Eh, hey, mec, y'a pas de piège, là, c'est bon. Fuck les cartes, hein, j'en ai rien à foutre des cartes. Ok, c'est là. Rien à foutre des cartes. C'est là, c'est là, c'est là. Mais où elle est passée? Arrête! Ok, donc là, c'est là. Oh, le con. Oh merde, je suis mort. Y'a aucune chance de survivre. Mais qui, tu vas où là? Eh oh! Eh oh, tu vas où là? Oh eh! Bouge même pas, c'est bon, t'es protégé. Il pense que t'es. Surprise! Ok, j'ai. Ok, j'ai failli le laisser. Ça se trouve, faut juste réussir les QTE pour éviter le piège. Putain, putain! Ok! C'est peut-être là! Si je cours, c'est peut-être maintenant que je meurs. Donc peut-être qu'il faut que je me cache. Chat. Mais si je me cache, je vais crever, les gars, je le sais. Je le sais, les gars, je le sais. Mais vas-y, nique sa mère. Mais MDR la cachette, frérot. Hop là ! MDR la cachette, frérot. MDR la cachette. Non mais MDR ! C'est tellement irréaliste et impossible, frérot. Allez, c'est terminé, frérot, je suis désolé. J'aurais tout fait. Non, casse-toi ! Non ! Tu vois, il m'a protégé avec le sang, les gars. Je suis un boss. Je suis un boss, les gars. Il m'a protégé avec le sang, les gars. Ah, par contre, ferme ta gueule. Par contre, ferme ta gueule. Mais il est con, quoi ? Mais c'est pas possible ! Oh non, oh non, s'il te plaît, non. Pas la tête dans le... pas dans la tête dans le trap. Oh le con! Oh le con! Oh putain! C'est pas vrai! Non, arrête, arrête! Non, s'il te plaît, arrête! Non, non, non! Mais qu'est-ce qu'il est con! Mais c'est pas possible! Ils sont trop cons, frérot! J'ai jamais vu un mec aussi con! Je n'ai jamais vu des gens aussi cons réunis! C'est le dîner de cons, ce jeu! Alors, est-ce que je me dégage du truc? Ou est-ce que je m'écarte? Alors, s'écarter avec une seule jambe maintenant, c'est sûr, ma tête, elle va finir dans un truc. Et se dégager, c'est sûr, en me dégageant, le mec, il va tomber la tête dans un truc. Donc, dans les deux cas, je meurs. C'est sûr, les gars. Si je veux me dégager, le mec, il va faire... Boum, la tête dans le piège. Si je veux... Je sais même pas ce que ça veut dire, écarter. Se dégager, je sais pas ce que ça veut dire. Se dégager, c'est... Et écarter. Écarter, c'est quoi? Écarter le piège ou je m'écarte? Allez, c'est bon, ouais, je suis trop crié par écarter. Merde. Oh, le con, je suis mort. Merde. Putain. Ça a pas marché. Vous pourriez... Oh merde! C'était quoi se dégager, les gars? Ok, écarter le piège, se dégager. Comment tu... Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Mais je suis pas mort. Notez, je suis pas mort. Alors, c'est qui ça? Elle est avec ses chasseurs, là? Je crois pas. Ou sinon... Oh! Ça y est, je l'ai, la nouvelle théorie. Ça y est, les gars, je l'ai, la nouvelle théorie. C'est typique dans ces jeux-là. Personne ne se transforme réellement. Les gens juste deviennent fous. Et il y a un virus, un gaz... que tout le monde a ressenti, d'où le pourquoi de mettre du sang sur la gueule ou les piqûres là au début là. Problème du jeu, c'est qu'il fait semblant d'avoir des choix, mais ça rallonge juste le jeu, mais sinon c'est une ligne droite. Tu vois des loups-garous, mais c'est pas des loups-garous. C'est des enfants. Ah, tout ça n'est qu'une hallucination collective. On parle de quoi là? On doit faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est morte. Et c'est ton virus qui a arraché la gorge de Emma? Annoncez ta connerie. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H? Elle est rentrée avec son frère. Et voilà, c'est elle. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Et merde. Pauvre Kaylee. Nick! Tu sens trop bon. Oh oui, vas-y, bouffe-la. Intervenir? Non. Non, non, vas-y, bouffe-la. Franchement, je t'en supplie. Vas-y. Pourquoi quelqu'un voudrait tuer Kaylee Hackett? Vas-y, graille-la. On devrait appeler quelqu'un. Merde, Chris! Comment on va lui dire? Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hé! Vas-y! Viens là! En voilà un enfer! Vas-y, Nick! C'est maintenant ou jamais! Idiot! Dans la piscine! Oh, c'est l'eau! Ils sont sensibles à l'eau, sinon! Ah, ils redeviennent humains dans l'eau! Est-ce que ça va? Je voulais juste qu'il arrête! Nick! Hé! Réconforté, Abby. Hé, hey, c'est bon. Tout va bien. Je te tiens. Je te tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as poussé là, Abby, voilà ce que t'as fait. J'en sais rien. Morte. Il est gelé. Ok, on l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. T'as l'eau dans ce jeu, je n'ai jamais vu une eau aussi bien faite dans aucun jeu. Abby. Chut. Repose-toi. Merde, je suis désolé. Arrête de bouger comme ça. C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Eh hey mec, c'est sûr, il va devenir quand même... Il a le Covid, lui, c'est sûr. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmier. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, hey, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut... J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mets-lui une batte de pompe dans la gorge, comme ça il sera mieux installé. Allez. Hop. Hop là.
Ça, c'est pas Giga Chad, hein? C'est pas Giga Chad, ça, les gars? Voilà. Ça, c'est fait. Le speedrun est réel. Hop, on chope les draps et les serviettes ici. Oh merde! Donc c'est la sorcière qui corrompt la tête des gens. C'est la sorcière! Mais pourquoi elle ferait ça? Elle fait genre, elle déguise tout le monde en loup-garou. Parce qu'elle a le seum, parce que son petit-fils il est mort. Des prisons, c'est une prison ici ou quoi? Mais quel est mon objectif? Je me demande où est Caleb. C'est qui Caleb? C'est vrai qu'il y a des loups-garous qui viennent de me tuer et tout, qui viennent de tuer tous mes potes et tout. Mais c'est vrai que je me demande où est Caleb. Ouais, ouais. Franchement, alors je me demande si je peux manger des Pink Lady tout à l'heure. Hein? Il donne du PQ au pauvre garçon là. Bon. Eh bien, quel bonheur, quel kiff. Hein. Merci de m'avoir fait visiter 15 chiottes différentes pour absolument me donner aucun item. Merci beaucoup. Waouh. Superbe. Superbe. Là, c'est mieux. Merci. Ah d'accord. Hey. Hey, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Ouais, on aurait dit un poisson. Mais hors de l'eau. Ils savent pas nager, les loups-garous, non, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies, au chalet. C'est-à-dire? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Huh. Allez, viens, le but. La rage? Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage? Hein? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... à mon chat dans la baignoire. Ouais. Allez, graille là, qu'on puisse vous fumer tous les deux. Merci. Abby? Oui? Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que je te plais? Franchement, 100%. Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais je préférais l'ancien Nick. Je le savais, tu m'aimes pas du tout, hein? C'est pas ce que j'ai dit! Et si t'arrêtais de mentir? Mais arrête, je te mens pas! J'ai traîné avec toi parce que t'avais l'air désespéré. Pauvre petit Abby, sans fierté, prête à se jeter dans les bras du premier mec qui passe. J'ai gagné. T'es une bonne poire. Hop là. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Vas-y. Graille-la. Oh. Oh wow. What the fuck. Oh, Abby. Abby, oh. Est-ce que ça va? Oh putain. Le mec s'est transformé en...
Pourquoi il y a le fusil à pompe là? Franchement, va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. J'aurais pas dû tirer parce que du coup il a perdu son humanité, mais... Désolé, hein, je veux pas casser l'immersion ou quoi, les gars, je suis désolé. Je l'ai tué. Mais on dirait vraiment une série. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Tu as fait ce que tu as dû faire. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendu. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi, si. Non. Ils ont tous la gueule ensemble. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas. Alors qu'il y a des lavabos, tu sais, ils pourraient putain, se nettoyer le visage. Putain, mais quelle merde. Oh, putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est là? J'ai besoin d'aide. Pitié. C'est quoi cette voix? Vous êtes qui? Ils ont du sang Easy Win. Gollum. Oh Laura! Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai Laura qui... tué personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney? Oui. T'étais censée travailler, t'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans.